une presse de lire. Souhaitez vous faire don de 35 piastres, ça recevra une bénédiction. Je reçois une bénédiction, déjà? Non. Attends, on va sauvegarder avant. C'est pas ce que ça va m'apporter, donc... Guérison de maladie, guérison de fléau, de poison, force intérieure de... Guérison de mal... Je sais pas quoi, là. Ah, d'accord. Ah, ok. Ok, ok. Je peux pas faire plutôt autre chose. Force. Force intérieure. Voilà, nickel. On passe à la suite. Et ben voilà. Nickel. Ah ben en fait, il se recharge au fur et à mesure. Je peux me reposer ici, c'est nickel, voilà. Oh, bah j'espère que ce donjon va vous plaire, une bonne découverte, n'empêche, je suis bien content d'être passé à côté. Me presse de faire l'autre tombeau ancestral du coup. Ah voilà. Bah juste des petits trucs à vendre. Hein. Pas... C'est quoi ça? Non, 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 meurs pas, meurs pas. Ouf, là, j'ai eu peur. C'est quoi comme anneau? Anneau du baiser du vampire. Oh, putain. Santé absorbée, 1 point sur 10, perso, charge 10. Oh, mais c'est cool. Oh, ben, je le prends direct, voilà. Ah, ben, voilà, un petit anneau. Par contre, c'est quoi, c'est moi? Bon, ben, voilà, petit tombeau ancestral, je crois que c'est l'un des premiers niveaux 1 de base, quoi. Parce que c'est vrai qu'il était pas très bien compliqué, il suffisait juste d'avoir l'arme là. Qui derrière je vais laisser tranquille un peu. La charge c'est un 10 sur 10. Oula, je lag. Pourquoi je lag? Allez hop, on va retourner à Balmora. Et après on se laissera sur cette dernière session de cette semaine. Bon, bien sûr, les vidéos elles seront toujours en plusieurs parties. Hein. Voilà. Wouah! Les mecs de se dire, putain, il est dingue celui-là, c'est pas possible quoi. Enfin voilà quoi. Ouh, un beau nuage. Beau nuage. Oh, le nuage. Une forme de. Regardez, si vous suivez mon curseur, il y a une forme de... Hop. Hop. Oui, oui, c'est ça. Un fa... du... Donc alors... Bah voilà quoi. Bon bah allez, je vais réparer mes armes avec vous et tout ça. Puis comme ça, ça vous fera expliquer tout ça. Donc oui, alors peut-être que c'est demain que j'attaquerai la session pour Black and White. Donc je verrai, puis pour Day ou Sex peut-être pareil, enfin je sais pas. Vous aurez tout ça de toute façon, hein, vous inquiétez pas. Sable de fer, ça va en acier. Sable de fer, je peux le vendre. Gourdin aussi. Deck de fer. Aussi. J'en ai pas besoin. Puis voilà. Je peux vendre ça? Non, je peux pas. Fais pas ta pute, bordel. Je crois, ouais. On est mieux. Hop, vendre des trucs marchands à lui, là. Alors... Par contre là... C'est quoi ça?
Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Alors, ça, alors à vendre, hein. Écoute. Ouh, pardon. Oula. J'allais faire une grosse bêtise. Tac tac, voilà ça. Ben voilà. Ça a vendu. Hop, on a arrondi à 30. On va à 9 alors, parce que monsieur a 2 pièces prix, il aime pas. Là j'allais craquer là. Alors. Tenue. Amulette, chaussure. Ça j'ai envie de le vendre. Hein. Ouais, il me sert à rien. Mais vas-y, putain, t'as vu la robe que je te vends, quoi? En plus, tu la portes, enfoiré. Et il la revend pas après. C'est définitif, quoi. Mars diabolique, tantôt démoniaque. Celui-là est super, mais bon, valeur 9000, quoi. On dirait que j'arrive à lui voler. Franchement, dès que j'arrive à lui voler, quoi, je suis super content. Alors, j'ai envie de prendre une clé mort. Tenue. Bah voilà. Voilà. Ben bah voilà, je crois que c'est bon. Je suis bien comme ça là. Tac. Quelque chose à vendre, tailleur. On va voir ce qu'il vend en taillerie. Vas-y, monte-moi, ouais. Non, magie. Ouais. Je vous laisse lire. Voilà. Putain, d'ailleurs, j'ai pas regardé l'autre s'il vendait du crochet. C'est lui. Je suis sûr qu'il peut revendre. Hiver. Ah non, il en vend pas. Et ils vont pas le crocher, merde. On a pas d'armes? Non, même pas. Ah merde alors. J'y croyais moi comme un con. Et alors après, il y a un autre truc là. Qu'est-ce que c'est? Tailleur de pierre. Prêteur gage. Ah c'est Georges Loup, tel truc pour tant de... Bon, ok, je marchande. Ouais. Je trouverai pas d'autres crochets, hein. Alors, je trouverai pas, hein. Tambour. Quoi peut me servir un tambour? Bon, enfin voilà, mes chers amis. Allez, je vais vous laisser là. Je vais faire une. Je vais aller en même temps aller sur le mur du sud en vous disant bah, que j'espère que ces vidéos-là vous ont plu.
Et que... Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, puis dites-moi, n'hésitez pas à dire les critiques que vous pensez nécessairement. Hein, n'oubliez pas que voilà que toute critique est bonne à prendre. Je vais pas le prendre mal ni rien quoi. Je vais prendre toute critique qui soit mauvaise ou bien ou bonne. Et j'en ferai ce qu'il faut pour m'améliorer quoi. Voilà quoi, y a pas de souci franchement, moi ça me gênera pas quoi. Voilà, donc je vous dis merci de m'avoir suivi jusque là. Abonnez-vous, partagez les vidéos, likez-les, franchement ça me ferait plaisir. Hein. Et puis ouais, de toute façon, bordel, j'ai envie qu'il y ait des vues, hein. J'ai envie que ça se fasse partager et que je sois connu, bordel de merde, Non, je déconne. J'espère franchement que ça vous plaît et que moi je fais ça avec plaisir et puis pour vous surtout. Voilà, donc merci à vous tous et puis bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez. Voilà, à plus.